Salut à tous les gens, c'est ThePlayXtra et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Let's Play avec la France. Allez, c'est parti. Si vous voulez. Décembre, ok, parfait. Janvier, 2 janvier, parfait. Excellent. Allez, bonne chance. Il nous faut cette technologie, donc là il va falloir 426 points, ok. Ok. Allez, écrasez-les. Très bien. Alors, vous allez rester à la pointe, CG, vous allez les poursuivre. Ah, parfait, on va pouvoir les coincer. Pour trêve. Hop. Voilà. C'est bon, ils ont plus d'armée. Vous pouvez commencer par vous diviser en deux. Vous pouvez aller là. Vous pouvez aussi laisser une moitié ici. Qui va elle-même se diviser en deux pour aller attaquer ici. Voilà. Petit à petit de l'armée, voilà. Et voilà, parfait. Ensuite, on aura 100% de score de guerre, quasiment. Et ensuite, on pourra avoir notre paix. Le Palatinat est ici. Et bien, dès que cette armée-là aura terminé, on ira s'occuper d'eux. Parce que bon, hein, le siège de Nemours pour moi c'est. Que dalle. Oula. La Bourgogne est dans la guerre? Non. Bon. Naples et toutes les colonies françaises avec la France. Ouais, on va assiéger tout ça. Et ensuite on rentrera au bercail. Enfin, même pas. Non, on n'aura même pas besoin d'aller. En fait, non, on a juste à tout assiéger, puis ensuite Naples fera la paix, puis c'est bon. Ah oui, les emprunts. Voilà. Restaurer le Saint-Siège, pardon. Prendre Franche-Comté. Oui, je pense que c'est une possibilité, oui. Oui. Je suis toujours rivaux avec eux. Oui. Donc je vais aussi en profiter pour faire des revendications. Alors. Charolais. Voilà, Charolais ici, Franche-Comté là. Puis peut-être aussi Rethel. Ouais. Ou les Flandres. Pff, franchement, non. Dévotion, non. Bon, là on a trop investi sur les idées là. La preuve, on est en 1637 et on a déjà toutes les idées françaises. Donc non, on va plutôt s'investir dans la technologie là. Car niveau technologique, on est vraiment dans la merde.
Brest là où est terminé. Et là, vous pouvez vous mettre en route. Est-ce que le Palatinat a la technologie 19? Non. Bien. Oh. Ça c'est fait. Le Patriote. Ah ah. Ouais, les rebelles arrivent. D'accord. Ils ont pas de bol, ils ont mis le Danemark comme rival. C'est bête ça. Ça, attitude hostile. Ah. Comment faire un casus belli si on ne peut pas fabriquer de revendications? Ok, vous êtes renforcé, allez-y. On est deux fois plus nombreux qu'eux, ça devrait être facile. Voilà. On a commencé à reprendre les provinces. Non, filez vers le sud. Et vous attaquerez les rebelles. Ok, Poznan, pardon, est terminé. Donc vous pouvez rejoindre nos troupes ici. Ils nous ont découvert en train de fabriquer leur indication, ce n'est pas grave. Ah, la question maintenant c'est, est-ce qu'ils viendraient nous aider? La Russie viendrait, mais Naples non. Parce qu'ils sont toujours en guerre. Mais, ah... La Russie viendrait déjà, ça c'est cool. Et une fois que cette guerre sera terminée, je pense que Naples fera de même. Ah ah ah! Excellent. Voilà. La Russie qui continue à coloniser la Sibérie. Odi et Manchu, ils sont puissants, mais pas de bol pour eux, ils sont membres d'une union personnelle avec Zhou. Ou Zhou, je sais pas exactement comment ça se prononce. Bref, avec Zhou. Ça y est. La guerre est terminée. Est-ce que maintenant ils viendraient? Non. Il ne viendrait pas. Ah, c'est bien dommage. Déjà, ce qu'on va faire, c'est... Déjà affaiblir la Bourgogne. L'Espagne, on s'en occupera plus tard, quand Naples voudra bien nous aider. Ah, parfait. On a désormais une supériorité... Ah non, j'ai rien dit. Non. On a désormais l'infanterie gustavienne. Mais je pensais au début qu'ils étaient toujours niveau 18, mais non. Ils ont dû changer récemment. Voyons voir. 5, 4, 4, 3, 7, 5. Wow. Ouais, je pense qu'on va y aller pour ça. Pour à la fois l'attaque et la défense. Ok. Est-ce qu'on est dans le vert? Non. Ouais, là par contre, j'y suis un peu y allé fort. Voilà, vous allez par là. Oh bah tiens, des paysans. Hop, grand sanctuaire.
Et puis... Clac, clac. Comme ça, c'est bien. Ok. Alors... Eh bien, ils ont pris la province. On va s'en occuper. Hop. Oh. Eh bien voilà, il y a une guerre coloniale maintenant. Las Guyanas, c'est la nouvelle Normandie. Oh, oh la vache, qu'est-ce qu'on peut faire? Poser la paix. Crains France. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on aide notre nation coloniale. Voyons voir, Las Guyanas, comment ils sont niveau armé? Las Guyanas. 10 000. On va voir la tournure de la guerre et si la nouvelle Normandie n'y arrive pas, on va venir les aider. Technologie. Voilà, excellent. Ok, c'est bon, on a rattrapé. Mais pour combien de temps? Déjà, c'est une guerre d'agression. Oh! Oh, ils ont volé la colonie, GG les mecs. Je crois qu'on va venir les aider. Réparer la flotte. Il me faudrait plus de flûte par contre. On va faire 22. Au total, et le reste on va faire des galions. Ok. Au niveau de l'économie, on va réduire pour le moment la maintenance militaire. Pour le moment. On n'est pas encore en guerre. Lever la maintenance, embarquer. C'est la première guerre coloniale, n'empêche, entre deux nations coloniales. Ça, c'est cool, ça. Ça sera l'occasion d'empêcher. Ah, mais ouais, ça sera l'occasion de donner tout ça à notre colonie en plus. Ah, oh, oui. Oh oui, oui. Alors là, je suis tout à fait d'accord. En Dauphiné. Dauphiné, Dauphiné, Dauphiné. Vous prenez ça. Voilà. Et voilà. Excellent. Direction Bordeaux, s'il vous plaît. Et hop, par ici. Excellent. Les flux vont se terminer en septembre. On va attendre quelques mois. En attendant, au niveau des sièges, on dirait qu'ils arrivent à y aller. Oula. Ouh, bonne chance là. Là, ça va être un combat assez important qui va se dérouler. Et merde, ils vont perdre, ouais. Ils veulent conquérir quoi, Las Guyanas? Saint-Croix? Mais ils sont fous. C'est la première colonie qu'on a fondée, on va pas laisser ça passer. Alors là... Je peux vous assurer que dès que les navires sont prêts, on part au Nouveau Monde. Ça, c'est clair et net.
L'Espagne n'a pas l'air de se préoccuper de la guerre, tant mieux. Allez, allez, terminez-moi ces navires tout de suite. C'est quoi tous ces rebelles? Qu'est-ce qui augmente autant le risque de révolte? Lassitude de guerre. Ah, je vois. Ça, par contre, c'est pas cool du tout, ça. Ils veulent prendre 5 croix. Non, mais... Ça n'a aucun sens. C'est notre première colonie et elle appartient de droit à nous. Ouais. Va falloir faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des rebelles ici? Non. Ils ont l'air de gérer. Tant mieux. Par contre, ici, ça craint. Moi, je dis, on va rentrer dans la guerre. Ok, les premières flûtes se terminent. D'ailleurs, cette colonie est tellement importante que notre roi va se déplacer en personne. Ça, c'est sûr. Ok, voilà. C'est tout ce qu'il nous fallait pour les transports. Voilà. On n'a pas d'explorateur? Si, si, si. Oh! Ah bah... va donc ici. Oh, mais... On a besoin de plus de stabilité. Et vous, vous pouvez y aller maintenant? Ah bah voilà, merci. Eh bah voilà, c'est beaucoup mieux là. Allez-y, commencez à transporter les troupes. Hop, notre explorateur va se charger du trajet. Ok. Voyons voir, tu vas... Ah bah, il y a qui gagne là. Ouais, ouais, ouais. On va quand même venir les aider. Voilà, excellent. Faut pas laisser nos colonies dans le dépourvu. Par ordre du roi, nous allons aider notre colonie. Hop. Voilà. C'était des rebelles, ça? Je suis pas si sûr. Des croyants catholiques? What the... Ah, mais si... Ma flotte est déjà partie... Allez-y, révoltez-vous. Ils se plaignent parce qu'on ne fait pas la guerre. What the fuck? Je savais pas que le catholicisme était une religion guerrière. Ils existent toujours. Faut croire. Faut croire. Ils ont dû prendre beaucoup de fric, les Espagnols. Non, paix blanche. Waouh. Paix blanche. Voyons voir. Intéressant. Bon.
Nous voulons la paix. Vous avez rejeté. Eh bien, ah, l'Espagne aussi a rejoint. Dans ce cas-là, rentre au pays. Et on va s'occuper nous-mêmes de ça. Bon, bah du coup, cette guerre a été importée jusqu'en Europe. Hein. Voilà ce que ça donne maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. C'était The Play X3. Et à très bientôt pour la suite de notre Let's Play avec la France. Allez, salut à tous.